comme toi, ô Éternel. Magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Personne, tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu, le roi majestueux, le glorieux. Ah, nous désirons ta kavod, nous désirons ta gloire, la nuée de gloire sur nos vies. Nous désirons ta gloire comme Moïse. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Il est fidèle. Pourquoi pleures-tu, mon frère? Il a vaincu pour toi à Golgotha. Il est fidèle. Quelle est cette maladie qui te fait pleurer? Il est fidèle. Quelle est cette angoisse qui te fait? L'Éternel ne t'abandonnera jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est, fidèle. Mon âme chante alléluia. Alléluia. Mon esprit chante. Du péché, moi j'étais. Père, nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour sceller mon cœur. Je viens boire aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. C'est mon désir de te servir, de te servir, de nourrir de ta loi et te plaire. Assoiffé, assoiffé, bien disposé, me réjouir dans ta présence. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de partager la vidéo. De partager le live. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Voilà, j'attends. Est-ce que tout va bien? Le son est bon? L'image est bonne? Gloire à Dieu, j'acclame le Seigneur ce soir. J'acclame le Seigneur, j'acclame le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous donne la victoire, celui qui nous fait arriver, alléluia, dans la terre de notre destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà, nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as partagé la vidéo, que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu. Alléluia, toi qui as partagé instantanément, automatique, et toi qui partages maintenant aussi, que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer sur Telegram pour que les autres, dans le groupe, pour que les autres aussi puissent voir la vidéo, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je vais prier et nous allons commencer notre session de ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, si vous êtes en Italie, en Espagne, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, en Guyane, au Brésil, que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Alors que nous sommes à notre 46e nuit, que le Seigneur puisse encore vous toucher avec un nouveau toucher, avec une nouvelle dimension, que le Seigneur puisse encore faire au-delà de ce que vous pensez. Alléluia. Que le toucher de ce soir soit un toucher qui sera supérieur au toucher d'hier. Alléluia. Car notre Dieu est celui qui nous emmène de gloire en gloire. Que la rencontre de ce soir avec le Saint-Esprit soit une rencontre qui sera plus impactante que la rencontre d'hier. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la gloire de ce soir soit la gloire qui sera encore plus impactante, une gloire qui sera encore plus grande que la gloire d'hier. Car Dieu dit lui-même que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et nous croyons que ce soir, il va nous visiter d'une manière extraordinaire parce qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session maintenant. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons encore ce soir. Seigneur, merci pour notre nuit 46. Notre 46e nuit, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ce soir, que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce qu'on avait décidé de jeûner. Ce n'est pas parce qu'on avait décidé de faire les 50 nuits que nous sommes là. Seigneur, nous reconnaissons que c'est ta grâce, c'est ton amour qui nous a permis d'être jusqu'ici. Seigneur, même si on a fait des efforts, même si, Seigneur, on s'est surpassé, on s'est dépassé, on a pris une décision, mais le mot de la fin t'appartient. Seigneur, parce que le cœur de l'homme peut avoir des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. L'homme peut avoir des projets, l'homme peut avoir des ambitions, mais ce sont tes desseins, Père, qui s'accomplissent. Merci, Seigneur, car c'est ta grâce qui nous a permis encore d'être là ce soir. Nous te bénissons. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps de prière. Que le Saint-Esprit nous fortifie encore. Oui, Saint-Esprit, fortifie-nous encore, car c'est de toi que nous tirons notre force, c'est de toi que nous tirons notre capacité, c'est de toi que nous tirons, Saint-Esprit, ce zèle, c'est de toi, Saint-Esprit, que nous tirons notre consécration, c'est de toi que nous tirons tout ce que nous sommes. Alors, nous puisons tout de toi, Saint-Esprit, que tu puisses encore nous fortifier, toi le consolateur, toi qui nous fortifie, toi qui nous conduis dans la vérité, toi qui es le véritable Saint-Esprit, merci pour ta présence. Enlève la fatigue, donne-nous la force, renouvelle nos forces ce soir dans le nom de Jésus et emmène-nous, élève-nous dans une nouvelle dimension de prière ce soir dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci pour ton stylo qui réécrit la vie, la destinée de plusieurs maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui vas changer, c'est toi qui ramène un chant nouveau, c'est toi qui ramène un nouveau témoignage, c'est toi qui ramène des nouvelles choses dans la vie de chaque personne, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle maintenant. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit ôté de nos vies au nom de Jésus. Que tout ce qui ne t'honore pas soit enlevé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, Saint-Esprit, nous te disons prends le contrôle. Viens régner, Saint-Esprit, et que les anges soient aussi avec nous maintenant, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut écrire Amen? Alléluia, gloire à Dieu, Amen. Alors, merci d'avoir partagé, que le Seigneur te bénisse encore une fois. Toi qui as partagé, que le Seigneur te fasse du bien.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de cheminer dans notre prière, dans notre combat pour notre destinée, combat pour ma destinée. Nous sommes en train de cheminer toujours à la quête de cette destinée, de ce bonheur que Dieu a préservé pour nous, de ces bonnes choses, de ces bonnes pensées que Dieu a pour nous depuis que nous ne soyons même dans le ventre de notre mère. Alléluia. Parce que bien-aimé, tu dois savoir que tu n'as pas commencé à exister le jour où tu es rentré dans le ventre de ta mère. Non, tu existais déjà avant. Je répète encore, tu n'as pas commencé d'exister le jour où tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Amen. Nous n'avons pas existé le jour où on a été conçu dans le ventre de notre mère. Dieu dit à Jérémie que avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc, ça veut dire que Dieu nous connaissait déjà avant. Avant même que nous ne soyons conçus, avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. En d'autres termes, on n'a pas commencé à exister le jour de la conception, mais on existait déjà auprès de Dieu. Alléluia. Tu existais déjà auprès de Dieu. Nous existions déjà auprès de Dieu. Il avait déjà un plan merveilleux pour chacun de nous. Il avait déjà une destinée pour chacun de nous. Quand le temps pour nous était arrivé de venir sur la terre, alors il nous a placés. Alléluia. Il nous a placés, divinement placés, dans le ventre de notre maman, afin que nous puissions maintenant venir sur la terre. Alléluia. Mais nous existions déjà auprès de Dieu. C'est pour ça, tu dois savoir que Dieu te connaît. Amen. Tu n'es pas une surprise devant Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont des surprises devant Dieu. C'est-à-dire, tu es né et Dieu est surpris. Ah, il y a Gisèle qui est née. Dieu est surpris. Ah, il y a Martine qui est née. Non, bien-aimé, il te connaissait déjà bien avant la fondation du monde. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu bon. Il te connaissait déjà. C'est pour cela que ta destinée est entre ses mains. Ta destinée, bien-aimé, se trouve entre ses mains. Il a des plans merveilleux pour toi. Il a des plans merveilleux pour toi, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux écrire « Dieu a des plans merveilleux pour moi » Alléluia. Dieu a des plans merveilleux pour moi. Dieu a des plans merveilleux pour moi. Alléluia. Il dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie 1:5. Et avant que tu fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc avant même que tu ne sortes du sein de ta maman, Dieu avait déjà terminé avec toi, il t'avait déjà établi, il t'avait déjà béni. Amen. Alors tu n'es pas une surprise pour Dieu, tu n'es pas un étonnement pour Dieu. Dieu ne se dit pas, oh, tu sors d'où, toi tu es qui? Non, il te connaît. Gloire à Dieu. Si il connaît même les oiseaux, les moineaux, les oiseaux du ciel sont comptés, il les connaît. À combien plus forte raison toi qui es créé à son image. Alors nous bénissons le Seigneur. Ce soir, bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimé, pour la terre de notre destinée. Écris avec moi la terre de ma destinée. La terre de ma destinée. Nous voulons prier pour posséder cette terre-là. La terre de ma destinée. La terre de ma destinée. Tu dois rentrer dans la terre de ta destinée. Tu dois posséder la terre de ta destinée. Tu dois toucher, bien-aimé. Tes pieds doivent fouler la terre de ta destinée. La terre de ta destinée, c'est là où se trouve ta bénédiction. La terre de ta destinée, c'est là où Dieu a prévu de te rencontrer. Quand je dis te rencontrer, c'est-à-dire là où Dieu t'a donné un rendez-vous spécial. La terre de ta destinée, c'est là où se trouve la clé de tout ce qui va se passer dans ta destinée. Gloire à Dieu. La terre de ta destinée, c'est pour cela, bien-aimé, si tu as des enfants, apprends à prier pour tes enfants, pour la terre de leur destinée. Parce que si tes enfants rentrent dans la terre de leur destinée, si tes enfants rentrent dans la terre de leur destinée, alors tu es sûr, bien-aimé, tu es sûr que toi aussi tu seras béni. Parce que la bénédiction des enfants va aussi descendre sur toi. La bénédiction des enfants va aussi être pour toi. Alors il est important de prier pour ces enfants, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent fouler la terre de leur destinée. Ta destinée a une terre. Ta destinée a un lieu. Ta destinée, bien aimé, comme le nom l'indique, destinée. Ta destinée a une destination. Ta destinée se trouve dans un endroit bien précis. Ta destinée, il y a une terre qu'on appelle la terre de ta destinée. Alléluia. Il y a des personnes bien aimées, malgré qu'ils vivent, malgré qu'ils sont en vie, mais leur vie est remplie de batailles. C'est-à-dire,
ta vie est remplie que de batailles, que des guerres, que des adversités, que des problèmes. À chaque fois, c'est que des combats qui ne terminent pas. Il n'y a que des combats. C'est comme si spirituellement, tu es placé sur une terre de combat. Alors que Dieu veut te placer dans une terre où coule le lait et le miel. Comme il l'a dit pour les enfants d'Israël. Je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Dieu veut te placer dans une terre où tu vas avoir le lait de ta destinée, où tu vas avoir le miel de ta destinée, où tu vas rentrer et jouir de ce qu'il a prévu d'avance pour toi. Mais il y a des personnes, bien-aimées, malgré qu'elles vivent, elles sont peut-être en bonne santé, mais leur vie est remplie de combats. Leur vie est remplie de combats. C'est comme si tu es positionné sur une terre de combat. C'est comme si ta terre est un champ de bataille. Oui, comme si ta terre est un champ de bataille. Il y a toujours des problèmes. Quand tu règles un autre problème arrive. Quand tu finis avec celui-ci, un autre problème arrive. Quand tu termines avec l'autre, un autre problème arrive. En fait, tu te rends compte que ta vie devient un champ de bataille perpétuel. À chaque fois, tu es toujours en train de te battre. Tu es toujours en train de te battre. Tu es toujours en train de régler des choses. Or, ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête, bien-aimé. Tu dois rentrer dans la terre de ta destinée. Cette terre qui sera un oasis de paix. Cette terre où tu vas dire « L'Éternel m'a mis au large ». Cette terre, bien-aimé, qui sera une terre où tu vas appeler Dieu Rehoboth. Rehoboth, c'est-à-dire l'Éternel t'a mis au large. L'Éternel t'a mis en paix. Alléluia. Où personne ne se dispute avec toi, où tu n'as pas d'adversité, bien-aimé, où tu n'as pas toujours des problèmes, c'est-à-dire où tu peux être en paix et dire « Seigneur, merci parce que tu m'as visité ». La terre de ta destinée, la terre de ta destinée se trouve quelque part. Des fois, c'est parce que nous sommes au mauvais endroit et au mauvais moment que nous sommes toujours en train de nous battre, que nous sommes toujours en train de nous bagarrer, que les choses sont toujours en train de se passer difficilement. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur la mauvaise terre. Tu dois te placer sur la bonne terre. Bien-aimé, dans le monde spirituel, Dieu a préparé une terre pour toi. Et quand je dis dans le monde spirituel, c'est-à-dire spirituellement, il y a un endroit et toi, tu vas posséder cela physiquement. C'est un endroit que Dieu te donne spirituellement, mais toi, tu le possèdes physiquement. Il y a une terre promise que Dieu a préparée pour toi. Il y a une terre de prédilection que Dieu a préparée pour toi. Il y a une terre de destinée que Dieu a préparée pour toi. Il y a une terre, chacun de nous, nous avons une terre de destinée. Alléluia, écris avec moi, j'ai une terre de destinée. J'ai une terre de destinée. J'ai une terre de destinée. Bien-aimé, tu dois sortir de cette terre où tu es toujours en train de te battre. Tu dois sortir de cette terre où on est toujours en train de te chercher la guerre. Tu dois sortir de cette terre où tu es toujours en train de pleurer. Tu dois sortir de cette terre, bien-aimée, où tu es toujours enchaîné et enfermé. Tu dois sortir de cette terre, bien-aimée, où on est toujours en train de te réclamer. Tu dois sortir de cette terre, bien-aimée, où on est toujours en train de vouloir ramener la honte dans ta vie. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu puisses vivre. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jean 10:10. Il est venu pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. Pas une vie pour essayer, la vie en abondance. C'est-à-dire que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, que ta vie spirituelle soit bénie, que ta vie financière soit bénie, que ta vie psychologique soit bénie, que ta vie sociale soit bénie, que ta vie dans tous les domaines de ta vie, que ta vie familiale soit bénie, que ton foyer soit béni, que tu marches dans la bénédiction. Alléluia! Que tu marches dans la bénédiction. Quel est ce père, quelle est cette mère qui va toujours vouloir regarder son enfant se battre depuis que l'enfant a commencé de se battre? Personne, bien-aimé, ni vous, ni moi ne serons dans la joie, ne serons heureux de voir notre enfant à chaque fois se battre. C'est-à-dire ton enfant s'est marié, mais toute sa vie dans son mariage, c'est que des combats, c'est que des combats. Il ne fait que se battre, il ne fait que galérer. Tu ne seras pas dans la joie. Alors si nous, les parents terrestres, ça ne nous fera pas plaisir, à combien plus forte raison Dieu? Alléluia, Dieu veut te voir dans l'abondance. Dieu veut que tu puisses rentrer dans ta terre de destinée. Dieu veut que tu puisses rentrer dans la terre, dans cette terre qu'il a prévue pour toi. Cette terre où coule ton lait
où coule ton miel, où se trouve ton étoile, où se trouvent, bien aimé, les rendez-vous divins de ta vie. Il y a des rendez-vous divins de ta vie, c'est-à-dire des personnes que tu dois rencontrer dans ta vie. Il y a des rendez-vous divins, des événements provoqués par le ciel pour toi, des événements provoqués par le ciel pour ton bien que tu dois vivre. Alors tu dois être sur la terre de ta destinée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome 11 à partir du verset 24. Gloire à Dieu. Deutéronome 11, 24, je lis la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Alléluia. Ici, le Seigneur dit que partout où toi tu vas aller, partout où ton pied va fouler, ça va être maintenant à toi. Quelle est la bénédiction? La bénédiction se cache dans la plante de ton pied. Alléluia. La bénédiction se cache dans la plante de ton pied. Ta terre promise, en fait, c'est là où ton pied va fouler et que toi, tu vas prendre possession. Ta terre promise, c'est là où la plante de ton pied va fouler et tu vas trouver des bénédictions. Ta terre promise, c'est là où la plante de ton pied va fouler et que tu vas commencer à t'étendre et à prospérer. C'est ça ta terre promise. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière, écoutez bien, votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Il y a une frontière que Dieu a délimitée pour toi. Il y a une frontière, la frontière de ta bénédiction, la frontière de ta destinée, la frontière là où tu dois t'étendre, là où tu dois prospérer, là où tu dois monter, là où tu dois réussir, là où ton pied va fouler. C'est-à-dire, quand ton pied va fouler cet endroit-là, cet endroit est à toi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. En fait, vous allez voir que la bénédiction ne dépend pas du lieu, mais la bénédiction dépend de la plante. La bénédiction est dans la plante de ton pied. Est-ce que vous me comprenez? La bénédiction est dans la plante de ton pied. En d'autres termes, la bénédiction est en toi. Cette bénédiction ne dépendra pas des lieux où tu vas aller, mais cette bénédiction dépendra du fait qu'elle est en toi, dans la plante de ton pied. Dieu a béni tes pieds. Donc, quand tu vas quelque part, ce lieu t'appartient. Quand tu arrives quelque part, ce lieu t'appartient. Ce lieu se change en ta terre de destinée. Ce lieu se change en ta terre promise. Ce lieu se change en une terre de bénédiction. Ce lieu se change en une terre de pluie. Nous sommes en train de parler du monde spirituel. Alléluia. La bénédiction est dans la plante de ton pied. La bénédiction, je répète encore, est dans la plante de ton pied. Ton pied est béni. Donc, partout où tu vas, cette bénédiction parle. La terre acquiesce. La terre dit, je reconnais cette bénédiction. Je reconnais ce pied. Je reconnais le parfum de ce pied. Je reconnais l'empreinte de ce pied. C'est l'empreinte de Dieu. Je reconnais l'empreinte de ce pied. Il y a une terre promise que Dieu a préparée pour toi. Il y a une terre de destinée que Dieu a préparée pour toi. C'est pour cela que tu dois refuser d'être toujours sur une terre de combat. Tu dois refuser que ta maison soit un champ de bataille. Depuis que tu t'es marié, ta maison est un champ de bataille. C'est-à-dire, il n'y a que la guerre, il n'y a que la guerre. Tu ne fais que te battre, te battre, te battre, te battre. Pour avoir la paix, tu dois te battre pour qu'il y ait la paix dans ta maison. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Alléluia. Tu dois être dans ta terre promise. Tu dois rentrer dans la terre de ta destinée. La terre de ta bénédiction, c'est ce que Dieu veut pour toi ce soir, dans le nom de Jésus. Dans ce combat pour ta destinée, Dieu veut que tu puisses posséder la terre de ton héritage. Dieu veut que tu puisses rentrer dans la terre de ton héritage. Dieu veut que tu puisses, que la plante de tes pieds puisse fouler la terre de ta destinée. Là où se trouve ton héritage, là où se trouve, bien aimé, ta bénédiction, là où Dieu est en train de t'attendre. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Ne sois pas ailleurs. Des fois, ça ne marche pas parce qu'on est distrait. Tu dois être là où Dieu t'attend. Ici, il y avait une frontière, votre frontière. Il y a une frontière pour toi. Dis avec moi, écris avec moi, il y a une frontière pour moi. Il y a une frontière pour moi. Il y a une frontière pour moi. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Ils avaient une frontière, c'est-à-dire ils avaient une limite. Partout où leur pied va fouler, Dieu va leur donner, mais ils avaient une limite qui leur appartenait, qui était à eux.
Tu dois être dans ta limite, dans la terre que Dieu a prévue pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Nous sommes tous venus pour accomplir un but. Nous sommes tous venus pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour nous d'avance. C'est ça ta destinée. C'est ça ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça ta destinée. La bonne nouvelle que j'aimerais te donner ce soir, c'est que, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de voir ton âge. Ah non, maintenant tu as 60 ans, c'est terminé. Non, même à 80 ans, même à 50 ans, même à 45 ans, même à 35 ans, même à 25 ans, Dieu te positionne dans ta terre promise. Alléluia. Dieu te positionne dans ta terre promise. Quand Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de sortir de sa patrie et d'aller dans le pays qu'il allait lui montrer, Abraham était déjà âgé. Abraham n'était pas enfant. Abraham n'était pas jeune. Abraham était déjà âgé. Alléluia. Quand Dieu vient te chercher, il ne regarde pas ton âge. En fait, là où les hommes disent que c'est trop tard, pour Dieu, il fait que commencer. Là où les gens disent pour toi, oh, c'est trop tard, c'est terminé. Dieu te dit ce soir, justement, c'est là où moi je vais commencer. Alléluia. Dieu commence là où les gens disent que c'est trop tard. Dieu commence là où les gens disent que tu dois abandonner. Dieu commence là où les gens disent que c'est fini pour toi. Là où les gens ont pitié de toi, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Il te donne la terre de ta destinée. C'est-à-dire, à n'importe quel âge, Dieu te fait posséder ton héritage. À n'importe quel âge, Dieu te fait rentrer dans la terre, dans ta terre de bénédiction. À n'importe quel âge, Dieu te fait quitter la terre des batailles, la terre des guerres, la terre des problèmes, la terre des difficultés, la terre des souffrances, pour te positionner maintenant dans la terre de la paix, dans la terre de la grâce, dans la terre de la faveur. C'est Dieu qui le fait. Tu dois avoir la foi. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, d'attendre que... Oh, en fait, Dieu ne pense pas comme les hommes. L'homme peut dire, c'est terminé pour toi, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi. Je vais maintenant commencer avec toi. Je vais maintenant commencer avec toi. Et j'ai encore des choses à faire. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas, pour votre destinée, ce n'est pas perdu. Dis avec moi, pour ma destinée, tout n'est pas perdu. Pour ma destinée, tout n'est pas perdu. Pour ma destinée, ce n'est pas perdu. Parce que Dieu va m'emmener dans la terre de ma destinée. Ce n'est pas encore perdu. Tant qu'il y a la vie, bien-aimé, il y a l'espérance. Tant que tu vis, il y a l'espérance. Donc, ce n'est pas encore perdu. Même si tu avais perdu beaucoup dans le passé, Dieu te dit, je te fais rattraper cela. Je te fais rattraper les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qu'est la réalité de ta vie, mais Dieu veut te placer dans la terre de ta destinée. La terre de ta destinée, là où les gens t'attendent avec des bénédictions, là où, bien-aimé, la terre, c'est-à-dire même la terre reconnaît que ça c'est pour toi, le ciel reconnaît que ça c'est pour toi, l'air reconnaît que ça c'est pour toi, ta terre de destinée, là où, bien-aimé, ton mariage t'attend, là où, bien-aimé, ton travail t'attend, là où, bien-aimé, ta stabilité t'attends, la stabilité t'attend là-bas. Là où, bien-aimé, ta faveur est en train de t'attendre, il y a une terre de bénédiction. Maintenant, tes pieds doivent fouler, la plante de tes pieds doit fouler cet endroit-là. Tout lieu, ce lieu-là doit être foulé par la plante de tes pieds. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. En fait, en tant qu'enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction est dans la plante de votre pied. Elle ne dépend pas du lieu, mais elle dépend de la bénédiction qui est dans vos pieds. C'est pour cela qu'on parle de la bénédiction des pieds. Parce que cette bénédiction ne dépend, en fait, ça ne dépend pas vraiment du lieu, mais ça dépend de ton pied. C'est-à-dire, si on dit qu'aux États-Unis, il y a la crise, il ne faut pas aller, tout le monde vient en Europe, tout le monde va en Afrique. Bien-aimé, toi, tu dis, moi, je vais aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la bénédiction est dans mon pied. La bénédiction est dans la plante de mon pied. Et dès que je vais fouler le sol des États-Unis, alors la bénédiction va parler. Dès que je vais fouler la plante des États-Unis, la terre me sera favorable. Dès que je vais fouler ma plante, dès que je vais fouler la terre des États-Unis, alors la terre va dire, nous te recevons, il y a une bénédiction pour moi. Il faut le croire. Alléluia, il faut le croire, il faut le croire. C'est ça le monde spirituel, ça ne dépend pas du lieu. Je peux être dans un pays très pauvre, mais parce que la bénédiction est dans la plante de mon pied,
La bénédiction est dans la plante de mon pied. La bénédiction est dans mes pieds. Ce pays, Dieu va le changer maintenant pour moi en oasis. Dieu va le changer en un lieu de prospérité. Dieu changera ce lieu en un lieu de prospérité. Mais n'oublie pas, tu as une frontière. Ne sois pas hors de tes frontières. Alléluia. Ne sois pas hors de tes frontières. Beaucoup de personnes ont raté leur bénédiction parce qu'ils sont au mauvais endroit. Dieu les attend à un endroit A, eux ils sont à l'endroit B. Alors la bénédiction est l'autre côté. Toi tu es de l'autre côté. Tu dois être là où Dieu t'a assigné, dans ta frontière, dans la terre qui t'appartient, dans ta frontière. Dieu va te bénir là. 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 Des fois Dieu te demande de demeurer là, d'être là, dans cette frontière. Tu as une frontière. Ici, il dit aux enfants d'Israël, votre frontière, ils avaient une frontière, va s'étendre du désert au Liban. C'est ça votre frontière. Alléluia. Votre frontière, il y a une limite pour toi. Il y a une terre pour toi. C'est pour cela, ne faut pas regarder la terre de l'autre. Ne regarde pas la vie de l'autre. Ne regarde pas celui qui est en train de réussir. Bénis Dieu pour sa vie. Bénis Dieu pour celui qui réussit. Bénis Dieu pour celui qui est béni. C'est sa frontière. Mais une chose est sûre, toi aussi, tu as une frontière pour toi. Alléluia. Il y a une frontière pour toi. Écris avec moi, il y a une frontière pour moi. Il y a une frontière pour moi. Il y a une portion de territoire pour moi. Il y a une terre pour moi. Il y a un endroit pour moi. Il y a quelque chose pour ma destinée. Il y a une portion pour moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour la terre de notre destinée, que tu puisses posséder cette terre, que tu puisses être positionné dans cette terre, que tu puisses être placé dans cette terre de ta destinée qui va ouvrir et déclencher beaucoup de choses, qui va déclencher les portes de ta destinée, qui va ouvrir les portes de ta destinée, qui va ouvrir les bénédictions de ta destinée dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. J'acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas remercier le Père ce soir. Tu vas dire ce soir, alléluia, tendre Père, merci. Merci car tu es le Créateur du ciel et de la terre. Et tout t'appartient. Alléluia. Reconnais ce soir que Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Et que tout lui appartient. L'univers lui appartient. Tous les endroits du monde lui appartiennent. La mer lui appartient. Les montagnes lui appartiennent. Tout ce qui subsiste et tout ce qui existe sont à Dieu. Reconnais et remercie-le, célèbre-le parce que tout est à lui. Alors quand tu vas reconnaître que tout est à lui, c'est lui qui va te donner la portion de ta terre. Celui qui va te donner la terre de ta destinée. Celui qui va te donner la terre où tu vas jouir, bien-aimé, du bonheur qu'il a préservé pour toi. C'est lui qui va te donner la terre où tu vas être dans la paix. Commence à prier avec moi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, je te remercie ce soir. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Créateur du ciel et de la terre. C'est toi, Père, qui es le Créateur de l'univers. Et toute chose, tout ce qui existe, tout ce qui subsiste, tout ce qui est, t'appartient. Alors je te dis merci. Merci parce que tout est sous ton contrôle. Tout est à toi. Tout est pour toi, Seigneur. Tout a été créé par toi et pour toi. Alors je te dis merci. Merci Père, merci car tout est à toi. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qui y habite. Merci car les habitants sont à toi. Merci car tout ce qui existe ici est à toi. Merci tout ce qui est sur la terre est à toi. Alors je te dis merci parce que tu es le Créateur. Reçois la gloire, reçois la louange parce que tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est puissant comme toi. Nul n'est grand comme toi. Nul n'est glorieux comme toi. Je vais te célébrer ce soir. Je vais te magnifier ce soir. Je vais te louer ce soir parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore remercier le Seigneur. Tu vas dire ce soir, oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, car tu as payé ma liberté avec ton sang précieux. Alléluia. Tu as payé ma liberté avec ton sang. Ton sang a coulé pour que je sois libre de l'esclavage. Ton sang a coulé pour que je sois libre, Seigneur, oh Dieu, des combats, des adversités. Ton sang a coulé pour que je sois libre, libre, que je sois délivré de la mort, pour que je sois justifié, pour que je puisse, Seigneur, à recevoir le salut. Alors je te dis merci. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur ce soir pour la liberté qu'il t'accorde par son sang précieux. Tu parles avec tes propres paroles. Oh Seigneur, ce soir, alors que je me tiens encore une fois
à la porte de minuit, alors que je suis, Seigneur, à la nuit 46. Je viens encore te dire merci. Merci, Seigneur, car tu as payé le prix de ma liberté. Merci, Seigneur, car tu as payé le prix de ma liberté par ton sang précieux. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix de notre liberté par ton sang précieux. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, car tu as payé le prix afin que rien ni personne ne puisse nous réclamer. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix avec ton sang précieux afin que, Seigneur, notre vie puisse servir à la gloire de Dieu le Père. Nous te disons merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix qui nous a délivrés du péché, qui nous a libérés, qui nous a transformés, qui nous a changés, qui nous a donné le salut, qui nous a donné la vie éternelle. Nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix, le sacrifice parfait qui nous a délivrés des œuvres de la sorcellerie. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour que, Seigneur, je sois sauvé, pour que mon frère soit sauvé, pour que ma sœur soit sauvée, afin que, Seigneur, plus rien ne vienne encore pour nous réclamer, afin que plus rien ne vienne encore pour vouloir faire couler notre sang, car ton sang a déjà coulé à la croix de Golgotha, une fois pour toutes pour nous, Seigneur, afin que nous ne soyons plus dans la malédiction, parce que, Seigneur, toi, tu t'es fait malédiction, afin que nous puissions jouir de la justification. Nous te disons merci, nous te disons merci ce soir, nous te disons merci ce soir, reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur, merci pour le prix que tu as payé, merci pour le prix que tu as payé, le prix de ton sang que tu as payé afin que nous puissions être libres dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour la croix. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore dire merci au Seigneur ce soir. Oui, tu vas dire merci parce que tu dois être reconnaissant pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il fait, bien-aimé, pour toi et moi. Alors tu vas prier et tu vas encore dire, Seigneur Jésus, je te remercie encore ce soir. Merci car tu guéris toutes mes maladies par tes meurtrissures. Merci Seigneur car tu guéris toutes mes maladies par tes meurtrissures, les maladies physiques, les maladies spirituelles, les maladies intellectuelles, les maladies émotionnelles, tout genre de maladies, Seigneur, tu me guéris par tes meurtrissures, alors je te dis merci. Bien-aimé, remercie le Seigneur ce soir, remercie le Seigneur, car tu es guéri par ses meurtrissures. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Dis merci, merci Seigneur, car c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. C'est toi qui guéris la tour de prière semeur. C'est toi qui guéris ma maison. C'est toi qui guéris, Seigneur, mon foyer. C'est toi qui guéris tous les domaines de ma vie. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par tes meurtrissures, Seigneur, j'ai été guéri de la tension. J'ai été guéri de l'hypertension. J'ai été guéri du diabète. J'ai été guéri de toute maladie. Seigneur, j'ai été guéri des maladies bizarres. J'ai été guéri des maladies sans nom. J'ai été guéri des maladies de la sorcellerie. J'ai été guéri par tes meurtrissures. J'ai été guéri, Seigneur, des douleurs d'estomac. J'ai été guéri, Seigneur, des fibromes. J'ai été guéri, Seigneur, au Dieu des problèmes au foie. J'ai été guéri, Seigneur, dans tout mon organe. J'ai été guéri. Je te dis merci. Merci car par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur. Merci, merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison de tous les domaines de ma vie. Merci pour ma guérison spirituelle. Merci pour ma guérison physique. Merci pour ma guérison psychologique. Merci pour ma guérison émotionnelle. Merci pour ma guérison financière. Merci pour la guérison de mon foyer. Merci pour la guérison de mes enfants. Merci pour la guérison de mes projets. Merci pour la guérison de ma vie dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, pour la guérison de ma destinée. Reçois la gloire, reçois la louange au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Alors que tu es à la porte de minuit et que tu es dans le combat spirituel, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, bien-aimé, de te remplir de son feu. Tu vas encore dire ce soir, cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de minuit pour le combat spirituel, remplis-moi de ton feu. Prépare-moi au combat. Oui, David disait, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Exerce mes mains alors que je me tiens à la porte de minuit. Cher Saint-Esprit, exerce-moi au combat. Remplis-moi de ton feu. Mets ton feu dans ma bouche. Mets ton feu dans mes mains. Mets ton feu dans mes pieds. Dans le nom de Jésus. Mets ton épée dans ma bouche. Mets ton épée dans mes mains. Mets ton épée dans mes pieds. Et que mes paroles
et que ma prière puisse être un carnage dans le camp de l'adversaire, que mes battements des mains soient un carnage, puissent détruire le camp de l'ennemi, que mes battements des mains, le fait que je puisse battre les mains, puisse être un carnage dans le camp de l'adversaire, dans le nom de Jésus. Dans le camp de l'adversaire, que cela soit un carnage dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus, bien-aimé. Appelle le Saint-Esprit à te remplir de son feu. Oui, ce n'est pas ton feu, mais c'est le feu de l'Esprit. Que ce feu soit dans ta bouche. Que les prières que tu fais deviennent des flammes de feu qui vont détruire les œuvres du diable. Que les prières que tu fais deviennent des boules de feu, deviennent des bombes de feu qui vont détruire le camp de l'adversaire, qui va détruire le camp de l'adversaire dans le nom de Jésus. Que des boules de feu soient dans ta bouche et que les projets de l'ennemi contre ta destinée, contre ta maison, contre ta vie, contre ton futur, soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Au prix bien-aimé, que le Saint-Esprit mette dans tes mains son feu et que les battements des mains que tu vas taper deviennent des boules de feu, deviennent des bombes qui vont décimer le camp de l'adversaire, qui vont décimer le camp de l'adversaire, qui vont détruire le camp de l'adversaire dans le nom de Jésus. Que tes mains, le fait que tu vas taper les mains, soit des bombes, soit des dynamites, soit des grenades spirituelles qui vont détruire, bien-aimé, au plus profond des secrets de l'adversaire, dans le nom de Jésus. Que ce soir, que le feu du Saint-Esprit te remplisse, que tu deviennes flammable, que tu deviennes brûlante, que tu deviennes très chaud, afin de détruire les œuvres du diable, dans le nom de Jésus. Oui, que ce feu soit sur toi, que tu puisses recevoir un revêtement, que tu puisses recevoir une puissance, que tu puisses recevoir une force, ce soir, dans le nom de Jésus, ce soir, dans le nom de Jésus, ce soir, dans le nom de Jésus, ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Alors que nous sommes en train de prier pour la terre de notre destinée, alors que tu vas prier pour la terre de ta destinée, c'est-à-dire là où se trouve ta bénédiction, c'est-à-dire là où Dieu t'a donné un rendez-vous divin, c'est-à-dire là où Dieu a préparé des personnes qui t'attendent, bien-aimé, avec des bénédictions, c'est-à-dire là où Dieu a préparé des portes qui sont prêtes à s'ouvrir pour toi, c'est-à-dire là où Dieu a préparé quelque chose pour toi, la terre de ta destinée, cette terre qui est à toi, une frontière limitée pour toi, une frontière bien découpée pour toi, pour ta faveur, pour ta vie. Alléluia. Tu vas prier et tu vas appeler le Père à se lever. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi ce soir. Oh Dieu, lève-toi ce soir et mets-moi à l'endroit où je dois être au nom de Jésus. Mets-moi à l'endroit où je dois être. Ne me laisse pas être loin de ma terre de destinée. Mets-moi à l'endroit où je dois être afin que je rentre dans ma destinée, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Alors que je suis à ma nuit 46, mets-moi à l'endroit où je dois être dans le nom de Jésus. Positionne-moi à l'endroit où je dois être dans le nom de Jésus. Je t'en prie, ô Père. Je t'en prie, ô Père. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, mon Roi. Bien-aimé, prie avec moi ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit. Lève-toi dans ma vie. Mon Père, mon Père. Mon Dieu, mon Roi. Mon Dieu, mon Maître. Mon Père, mon Seigneur. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Étends ta main ce soir. Lève-toi sur ma vie ce soir. Et mets-moi à l'endroit où je dois être dans le nom de Jésus. Positionne-moi là où je dois être. Positionne-moi sur la terre de ma destinée dans le nom de Jésus. Positionne-moi sur la terre de ma destinée au nom puissant de Jésus. Positionne-moi ce soir au nom de Jésus. Mon Père, positionne-moi ce soir sur la terre de ma destinée, là où la plante de mes pieds doit fouler dans le nom de Jésus. Positionne-moi ce soir là où je vais être béni. Positionne-moi ce soir sur la terre de ma bénédiction, sur la terre de ma bénédiction, la terre de ma restauration, la terre de mon bonheur, la terre de ma grâce, la terre de ma bénédiction, dans le nom de Jésus. Mon Père, positionne-moi ce soir, positionne-moi ce soir, positionne-moi ce soir, mets-moi à l'endroit où je dois être, dans le nom de Jésus. Mets mes enfants, mon Père, à l'endroit où ils doivent être, afin qu'ils puissent rentrer dans la terre de leur bénédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
positionne mon foyer là où il doit être, afin que nous puissions rentrer dans la terre de notre bénédiction, dans le nom de Jésus. Oh mon Père, je sais qu'il y a une terre pour moi. Oh mon Père, je sais qu'il y a une frontière pour moi. Oh mon Père, je sais qu'il y a une portion pour moi que tu as réservée pour moi. Alors je te prie, positionne-moi. Mets-moi à cet endroit. Mets-moi à cet endroit. Mets-moi à l'endroit où je dois être. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Demande au Père de te positionner, de te mettre à l'endroit où tu dois être dans le nom de Jésus. À l'endroit où tu dois être dans le nom de Jésus. Que tu sois positionné à cet endroit. Que le Père te mette à cet endroit. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, prie de tout ton cœur qu'il puisse te positionner. Que le diable ne puisse pas t'empêcher d'être dans la bonne position. Que le diable ne te mette pas ailleurs. Qu'il ne te positionne pas ailleurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas appeler le char de feu. Alléluia. Le char de feu. Alors que Élisée était avec son serviteur, il a prié, Père, ouvre les yeux de mon serviteur. Quand il a ouvert les yeux de son serviteur, oui, le serviteur a vu une armée nombreuse autour des chars de feu. Alors tu vas prier, tu vas appeler le char de feu. Alléluia. Tu vas dire avec moi, char de feu de Dieu. Char de feu de Dieu. Que le char de feu, bien-aimé, toi tu ne le vois pas, mais il y a des chars de feu dans le ciel. Il y a des chars de feu dans le spirituel. Des chars de feu qui accompagnent les enfants de Dieu. Prie avec moi. Tu vas dire, char de feu de Dieu, dégage tout blocage dans ma terre au nom de Jésus. Dégage tout blocage dans ma terre promise. Dégage tout blocage dans ma terre de destinée au nom de Jésus. Dégage tout blocage. Bien-aimé, peut-être que tu es dessus, mais il y a des blocages, il y a des guerres, il y a des amalécites spirituels qui te combattent. Il y a beaucoup d'esprits qui te combattent. Oh, appelle le char de feu, le char de feu, le char de feu, le char de feu. Dis le char de feu de Dieu, char de feu de Dieu, dégage ce soir tout blocage dans ma terre au nom de Jésus. Dégage ce soir tout blocage dans ma terre de destinée. Dégage ce soir tout blocage dans ma terre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Char de feu, dégage ce soir tout blocage dans ma terre dans le nom de Jésus. Dégage ce soir tout blocage dans ma destinée au nom de Jésus. Dégage ce soir tout blocage dans ma terre de destinée au nom de Jésus. Char de feu, char de feu. Char de feu, appelle le char de feu. Oui, le char de feu, le char de feu de Dieu. Ce char qui est invisible, mais qui combat pour les enfants de Dieu, qui combat pour ceux qui sont choisis par Dieu, qui combat pour les saints de Dieu. Oui, que ce char revienne, que ce char vienne et que ce char puisse dégager tout blocage dans ta terre promise dans le nom de Jésus. Char de Dieu, char de Dieu, char de Dieu, dégage ce soir tout blocage dans ma terre promise, tout blocage dans ma vie dans le nom de Jésus, tout blocage dans ma maison dans le nom de Jésus, tout blocage dans mes affaires au nom de Jésus. Char de Dieu, char de Dieu, char de Dieu, ce soir viens intervenir dans ma vie, ce soir viens intervenir dans ma destinée, viens intervenir dans mes projets, viens intervenir dans mon futur et dégage ce soir, dégage, enlève tout blocage à ma destinée, enlève tout blocage, alléluia, tout blocage dans ma terre, dans le nom de Jésus, alléluia, que tout blocage soit ôté de ta terre, que tout blocage soit ôté de ta terre, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout blocage soit ôté de ta terre, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom excellent de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Oh bien-aimé, tu vas encore appeler ton père ce soir. Tu vas dire, mon père, mon père, mon père, mon père, si j'ai été détourné de ma terre promise, relocalise-moi par le feu.
au nom de Jésus. Mon Père, si j'ai été détourné de ma terre promise, relocalise-moi par le feu dans le nom de Jésus. Relocalise-moi par le feu. Repositionne-moi par le feu dans le nom de Jésus. Mon Père, ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, si j'ai été détourné de ma terre promise, alors relocalise-moi ce soir dans le nom de Jésus. Commence à prier, appelle le Père, mon Père, alors que je me tiens à la porte de minuit, mon Père, si j'ai été, alléluia, si j'ai été détourné de ma terre promise, si j'ai été détourné de ma frontière, si j'ai été détourné de la terre de ma destinée, ah, relocalise-moi par le feu, repositionne-moi par le feu, dans le nom de Jésus, parce que tu es le Dieu de la restauration, parce que c'est toi qui viens restaurer, parce que c'est toi qui viens réparer tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été, ô Seigneur, abîmé. Je t'en prie, mon Père, ce soir, si j'ai été détourné du chemin de ma destinée, si j'ai été détourné de ma terre promise, relocalise-moi, même si les années sont passées, même si ça fait des années que j'ai été détourné, relocalise-moi aujourd'hui, car il n'est pas trop tard avec toi. Relocalise-moi aujourd'hui, repositionne-moi aujourd'hui. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, car rien n'est perdu, Seigneur, en toi. En Christ Jésus, rien n'est perdu. Je n'ai rien perdu en Christ. En Jésus-Christ, au contraire, nous retrouvons tout ce que nous avons perdu. Alors, Seigneur, je te prie, si j'ai été détourné, Seigneur, par le manque d'écoute, si j'ai été détourné par les mauvaises personnes, si j'ai été détourné de ma terre promise par la sorcellerie, si j'ai été détourné de ma terre promise par les fétiches, si j'ai été détourné de la terre promise par le péché, si j'ai été détourné de ma terre promise par beaucoup de facteurs, je te prie ce soir, relocalise-moi, repositionne-moi dans le nom de Jésus, relocalise quelqu'un ce soir. Oh bien-aimé, je prie que tu sois relocalisé. Si tu as été détourné, si tu avais été détourné de ta terre promise, d'autres personnes bien-aimées ont été détournées à cause des petits amis. D'autres personnes ont été détournées parce qu'ils ont eu des personnes qui étaient venues comme leurs copains, comme leurs amants, qui les ont détournés de leur chemin. Peut-être que tu avais eu quelqu'un qui était ton petit ami ou ta petite amie qui t'a complètement détourné du chemin de ta destinée. Mais Dieu te fait rattraper cela aujourd'hui. D'autres personnes ont été troublées par la sorcellerie. D'autres personnes ont été envoûtées par la sorcellerie pour les empêcher de rentrer dans la terre de leur destinée. À cause des choses de la sorcellerie, à cause des fétiches, tu as été détourné, tu as été envoûté, on t'a fait perdre conscience et tu es passé à côté. Mais avec Dieu, il n'est pas trop tard. Le Seigneur veut te faire rattraper cela aujourd'hui. Oh, il veut te faire rattraper cela aujourd'hui. Alors appelle-le, mon Père, si j'ai été détourné de ma terre promise, si j'ai été détourné de ma bénédiction, si j'ai été détourné de mon héritage, si j'ai été détourné, Seigneur, des bonnes choses que tu as prévues pour moi, relocalise-moi par le feu dans le nom de Jésus. Relocalise ma vie par le feu dans le nom de Jésus. Relocalise-moi par le feu dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, mon Père. Relocalise ma vie par le feu dans le nom de Jésus. Vois-moi ce soir. Fais-moi rattraper. Repositionne-moi. Ramène-moi sur ma terre promise. Ramène-moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas encore invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aide-moi à être au bon endroit et au bon moment. Dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, aide-moi, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir. Aide-moi à être au bon endroit et au bon moment, au nom puissant de Jésus. Aide-moi à être
au bon endroit et au bon moment, afin que je touche à mon héritage, afin que je possède ma bénédiction, afin que je touche à mon étoile, afin que je puisse rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, oui bien-aimé, appelle le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît les bons endroits où tu dois être, c'est lui qui sait où est-ce que tu dois te positionner. Appelle le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, je t'en prie ce soir, cher Saint-Esprit, je t'en prie ce soir, positionne-moi, cher Saint-Esprit, alléluia, aide-moi à être au bon moment et au bon endroit, dans le nom de Jésus. Aide-moi à être au bon endroit et au bon moment, dans le nom de Jésus. Que je sois au bon endroit et au bon moment, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, aide-moi ce soir, dans le nom puissant de Jésus, afin que je sois au bon endroit et au bon moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je puisse être au bon endroit et au bon moment, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, toi qui me conduis dans toute la vérité, que tu puisses me repositionner, que tu puisses me mettre au bon endroit et au bon moment, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas encore dire, alléluia, oh cher Saint-Esprit. Tu vas encore appeler le Saint-Esprit parce que c'est lui qui te conduit. Alléluia. Tu vas encore dire, cher Saint-Esprit, conduis-moi vers ma propre terre promise. Bien-aimé, tu es trop sur la terre des autres. Parce que tu es sur la terre des autres, tu empiètes et tu n'es pas bien. Parce que les autres sont en train d'exceller, toi tu n'excelles pas. Tu es sur la terre des autres. Demande au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, conduis-moi ce jour, conduis-moi vers ma propre terre promise, où coulera le lait et le miel. Conduis-moi vers ma propre terre promise, où coulera le lait et le miel de ma destinée, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, ce soir je t'appelle encore, ce soir je te cherche encore, ce soir je soupire encore après toi. Cher Saint-Esprit, emmène-moi vers ma propre terre promise. Bien-aimé, tu as trop été derrière dans la terre promise des autres. Le Saint-Esprit veut t'emmener dans ta propre terre promise, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, emmène-moi ce soir dans ma propre terre promise, là où coulera le lait et le miel de ma destinée, dans le nom de Jésus. Emmène-moi ce soir dans ma propre terre promise, au nom puissant de Jésus, là où coulera le lait et le miel de ma destinée, là où je vais posséder l'héritage de ma vie, là où je vais posséder l'héritage de ma destinée, dans le nom de Jésus. Conduis-moi, cher Saint-Esprit, emmène-moi sur ma propre terre promise, celle qui est à mon nom, celle qui m'appartient, celle qui appartient à ma vie, celle qui appartient à ma destinée, celle qui appartient à mes objectifs, celle qui appartient au but de Dieu dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Peut-être que devant toi, il y a une montagne. Peut-être que devant toi, il y a des difficultés. Devant toi, il y a des combats. Devant toi, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Il y a peut-être une montagne qui est devant toi. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à grimper cette montagne. Alléluia. Que tu puisses grimper la montagne de ta destinée. Que tu ne puisses plus te battre, mais que tu puisses grimper cette montagne, que tu puisses arriver au sommet et que tu puisses toucher au sommet de ta destinée. Que tu puisses rentrer, gravir cette montagne. Tu vas prier avec moi et tu vas dire ce soir, alléluia, oh mon Père, ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, mon Père, donne-moi la force de grimper la montagne de ma destinée au nom de Jésus. Donne-moi la force de grimper la montagne de ma destinée. Que je puisse atteindre le but. Que je puisse arriver dans ce que tu as dit pour ma vie. Que je puisse arriver à grimper la montagne de ma destinée dans le nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, la force de grimper la montagne de ma destinée au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi dans le nom de Jésus ce soir. Seigneur, alors que je me tiens à la porte de minuit, je prie ce soir, Seigneur, donne-moi la force
de grimper. Donne-moi la force de grimper la montagne de ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Que je puisse grimper la montagne de ma destinée. Que je puisse grimper la montagne. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette montagne de ma destinée, que je puisse la grimper. Donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force, mon Dieu, donne-moi la force, que je ne puisse pas me décourager, que je ne puisse pas baisser les bras, que je ne puisse pas descendre, que je ne puisse pas manquer de foi, mais que je puisse la grimper et que je puisse arriver sur cette montagne, au sommet de cette montagne, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu t'appelle à une grande destinée, et cette grande destinée, bien-aimé, impose que tu puisses monter une montagne, que tu puisses grimper la montagne, que tu puisses y arriver, que tu ne puisses pas te fatiguer. Bien-aimé, demande la force à Dieu, qu'il te donne la force de marcher, de grimper, d'arriver au sommet de la montagne de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la force ce soir. Saint-Esprit, donne la force à quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, donne la force à un couple ce soir. Saint-Esprit, donne la force à un couple ce soir d'arriver au sommet de leur montagne, de la montagne de leur destinée. Bien-aimé, la montagne de ta destinée peut être la grossesse que tu attends. La montagne de ta destinée peut être le mariage que tu attends. La montagne de ta destinée peut être le travail que tu attends. La montagne de ta destinée, c'est les buts spirituels que Dieu a prévus pour toi. La montagne de ta destinée peut être, bien-aimé, toute bénédiction que tu attends, mais que tu as l'impression que c'est très haut. Tu as l'impression que c'est très loin. Tu as l'impression que tu es très loin de cette bénédiction. Tu as l'impression que tu es très éloigné. Oh, demande au Père de te donner la force. Que le Saint-Esprit souffle en toi la force qui va t'aider à monter, qui va t'aider à persévérer, qui va t'aider à grimper afin que tu puisses arriver au sommet de la montagne dans le nom de Jésus. Afin que tu puisses arriver dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tu puisses y arriver au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas appeler encore le Saint-Esprit. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, transporte-moi ce soir. Cher Saint-Esprit, transporte-moi ce soir au lieu que tu as préparé pour moi, pour me bénir physiquement. Au lieu que tu as préparé physiquement pour moi, afin que je puisse recevoir la bénédiction. Je répète encore pour quelqu'un. Tu vas dire avec moi, cher Saint-Esprit, transporte-moi au lieu que tu as préparé pour moi, afin de me bénir. Que le Saint-Esprit puisse te transporter physiquement. Transporte-moi au lieu que tu as préparé pour moi physiquement. Au lieu que tu as préparé pour me bénir physiquement. Qu'il puisse te transporter physiquement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse conduire tes pas quelque part, là où il a préparé pour ta bénédiction. Que le Saint-Esprit conduise tes pas, un, deux, jusqu'au lieu de ta bénédiction. Que le Saint-Esprit te conduise, un, deux, jusqu'au lieu de la terre de ta destinée. Que le Saint-Esprit puisse conduire tes pas. Tu puisses aller, je ne parle pas qu'il puisse te conduire spirituellement, mais qu'il te transporte physiquement, que ce soit comme un enfant qu'on tient à la main et qu'on emmène jusqu'à l'endroit où il doit aller à l'école, jusqu'à l'endroit où il doit manger quelque chose, jusqu'à l'endroit où il va recevoir des cadeaux, jusqu'à l'endroit où il va être béni. Demande au Saint-Esprit ce soir, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit ce soir. Ce soir, je soupire encore après toi. Ce soir, alors que je suis dans la nuit 46, je soupire encore après ta gloire. Ce soir, Saint-Esprit, transporte-moi au lieu que tu as préparé pour moi. Au lieu que tu as préparé pour moi physiquement, afin que je sois béni, afin que je puisse passer à une autre dimension, afin que je puisse aller à un autre niveau. Cher Saint-Esprit, transporte-moi, tiens-moi la main et conduis-moi à cet endroit que tu as prévu que je dois être béni. Conduis-moi à cet endroit que tu as prévu que je dois faire des rencontres de bénédiction. Cher Saint-Esprit, conduis-moi, transporte-moi au lieu que tu as prévu, afin que je sois béni physiquement, afin que les personnes puissent me bénir, afin que ma vie puisse prendre une autre dimension, afin que ma vie puisse monter dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-moi ce soir dans mon lieu de bénédiction, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi ce soir.
Oh, ne te fatigue pas. Garde la force. Même s'il ne te reste pas beaucoup de force, mais le peu de force qui te reste, continue à prier. Alléluia. Tu vas prier avec moi et tu vas dire ceci. Alléluia. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alléluia. Même si l'âge est passé selon les hommes. Même si l'âge est passé selon les hommes. Renouvelle ma jeunesse. Renouvelle mes forces et fais-moi posséder mon héritage. Fais-moi rentrer dans ma destinée. Même si l'âge est passé selon les hommes. Même si l'âge est passé selon les médecins. Même si l'âge est passé selon les yeux humains. Alléluia. Fais-moi posséder mon héritage. Renouvelle ma force. Renouvelle ma jeunesse. Et fais-moi posséder mon héritage. Fais-moi posséder ce que tu as prévu pour moi d'avance. Fais-moi posséder ce que tu as prévu pour moi d'avance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh mon Père, mon Dieu. Oh mon Père, mon Dieu. Ce soir, même si l'âge est passé. Même si l'âge est passé selon les hommes. Même si l'âge est déjà terminé selon ceux qui peuvent me voir. Même si l'âge est passé selon mon environnement. Mais je te prie, Père, renouvelle mes forces ce soir. Renouvelle mes forces. Donne-moi la force du buffle. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle ma jeunesse. Et fais-moi posséder mon héritage dans le nom de Jésus. Fais-moi posséder mon héritage dans le nom de Jésus. Fais-moi posséder mon héritage dans le nom de Jésus. Que je puisse posséder mon héritage. Que je puisse rentrer dans ce que tu as prévu d'avance pour moi. Que je puisse toucher à ce que tu as prévu d'avance pour moi. Dans le nom de Jésus. Fais-moi posséder mon héritage. Fais-moi posséder mon héritage. Fais-moi posséder mon héritage. Fais-moi posséder mon héritage. Dans le nom de Jésus. 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 Fais-moi posséder mon héritage. Fais-moi posséder mon héritage. Même si l'âge est passé. Pour les yeux des hommes, même si l'âge est passé, pour les hommes, même si les hommes disent que c'est trop tard, fais-moi rentrer dans la terre promise de ma destinée. Car il n'est pas trop tard avec toi. Tant que tu n'as pas dit que c'est terminé, ce n'est pas encore terminé. Tant que tu n'as pas mis le point, alors c'est encore une virgule. Je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, fais rentrer quelqu'un dans la terre de sa destinée, même si les hommes disent que l'âge est passé, même si les hommes disent que c'est terminé, même si à la vue des hommes, ils disent que c'est impossible, mais rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Fais rentrer quelqu'un, fais rentrer une personne qui est connectée ici dans sa destinée, dans le nom de Jésus. Le mariage est encore possible, les enfants sont encore possibles, le bonheur est encore possible, la grâce est encore possible, la faveur est encore possible. Libère cette faveur ce soir, dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je libère la faveur de Dieu sur ta vie. C'est pour cela que je libère la faveur de Dieu sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. C'est pour cela que je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Je libère la pluie de Dieu sur ta vie. Je libère la guérison de Dieu sur ta vie. Si les médecins ont dit que c'était trop tard, moi ce soir je libère la guérison de Christ. La guérison de Christ dans ton corps maintenant, dans tes os maintenant, dans tes organes maintenant, dans le nom de Jésus. Même si les hommes disent que c'est trop tard, moi je déclare au nom de Jésus que ça ne fait que commencer. Jésus-Christ guérit ta vie. Jésus-Christ restaure ta vie. Jésus-Christ change ta vie. Jésus-Christ transforme ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si les sorciers avaient dit que c'était terminé pour toi, je leur dis ce soir que ce sont des menteurs, parce que le Seigneur va commencer avec toi. Il ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas les années passées, mais il vient te faire rattraper les années perdues. Il est le Dieu de toute possibilité, dans le nom de Jésus. Reçois cette faveur, dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Saint-Esprit te transporte et te positionne sur la terre de ta destinée, sur la terre où coule ton lait et ton miel, dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, même si aux yeux des hommes c'est trop tard, le Saint-Esprit te récupère et te transporte, t'enlève dans le champ de bataille, t'enlève dans le champ de la guerre et te positionne dans la terre où se trouve la paix, dans la terre où se trouve la joie, dans la terre où se trouve la grâce et la faveur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, même si l'âge est passé, c'est Dieu qui le fait. Même si l'âge est passé, je déclare que tu possèdes ton héritage. Je déclare que tu possèdes ta destinée. Peut-être que tu n'as jamais travaillé
dans ta vie. Peut-être que tu n'as jamais travaillé. Je déclare que tu vas travailler dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas travailler dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut déjà aimer la vidéo? Parce que je vois que la connexion commence à vouloir encore sauter. Alors, aimons déjà la vidéo maintenant, on ne sait jamais. Aimons déjà la vidéo. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sache que ce n'est pas trop tard pour toi. Sache que ce n'est pas trop tard pour toi. Bien-aimé, aime déjà la vidéo maintenant où je parle. Donne une offrande à la vidéo maintenant où je parle. Dis merci Seigneur. Je crois. Prends cette parole. Accepte cette parole. Dis merci Jésus. Crois et la foi en cette déclaration que je suis en train de déclarer maintenant dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne regarde pas le nombre d'années. Alléluia. Le nom de Jésus ne regarde pas depuis quand tu es dans les douleurs. Le nom de Jésus connaît seulement la restauration. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire prends ton lit et marche. Peu importe que ça fait 38 ans que tu es là. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire maintenant que tu puisses voir. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire que c'est fini. Maintenant, rentre dans ta destinée. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire ta foi t'a sauvé. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire que tu es délivré de ton infirmité. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire tu es délivré de ton mal. Le nom de Jésus vient seulement pour te dire que tu es délivré de ta douleur. Tu es délivré de ta souffrance. Tu es délivré de ta difficulté. Tu es délivré de ton combat. Tu es libéré. Le sang de Jésus ou encore le nom de Jésus vient seulement pour te dire que tu es libre. Maintenant, qui te condamne parce que tu es libre? Qui t'a condamné? Où sont ceux qui te condamnaient hier? C'est ce que le nom de Jésus vient. Le nom de Jésus ne vient pas te demander tu as quel âge. Le nom de Jésus ne vient pas te dire ça fait longtemps que tu es là. Le nom de Jésus ne vient pas faire le bilan de ton passé. Le nom de Jésus ne vient pas pour faire le bilan de ton passé. Mais le nom de Jésus vient pour donner un renouveau à ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois ce renouveau. Reçois ce renouveau dans le nom puissant de Jésus. Reçois ce renouveau dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu reçois ce renouveau, tu aimes la vidéo. Pourquoi je dis tu aimes la vidéo? Parce que bien aimé, pour moi tout est spirituel. Tu es en train de le faire, tu es en train de te joindre à cette déclaration. Tu es en train, c'est comme si tu es dans la salle et que tu donnes une offrande. Tu es en train de te joindre à cette déclaration dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur, car c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Oh, on s'est peut-être moqué de toi, on a dit que c'est terminé pour toi. Qui te prendra encore en mariage? Qui t'aimera encore? Qui te donnera encore les papiers? Qui prendra soin de toi? Qui fera cas de toi? J'aimerais te dire, Dieu fait cas de toi ce soir. Le Saint-Esprit fait cas de toi ce soir. Jésus-Christ fait cas de toi ce soir. Le Seigneur Jésus fait cas de toi ce soir. Et il vient te dire qu'il t'a condamné. Parce que lui, il te donne un nouveau départ. Il te donne un renouveau. Il te place dans la terre de ta destinée, dans le nom de Jésus. Il te place dans la terre de ta destinée, cette terre qui est à toi, cette terre qui t'appartient, cette terre qu'il a préparée d'avance pour toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Même si quelqu'un t'avait maudit en face, même si quelqu'un est parti dans les ténèbres pour faire des choses contre toi, j'aimerais te dire que le Seigneur déclare sur toi que l'esprit de vie donne la vie à ta vie. L'esprit de vie ressuscite tout ce qui a été enterré dans ta vie, dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sur ta terre, la terre promise de ta vie, c'est la terre de tes percées. C'est la terre de ta guérison. C'est la terre de ton mariage. C'est la terre de tes bénédictions. C'est la terre de tes faveurs. Alors tu vas prier et tu vas dire, cher Saint-Esprit, ce soir, fais-moi marcher sur la terre de mes percées. Fais-moi marcher sur la terre de mes auteurs. Fais-moi marcher sur la terre de mes bénédictions. Fais-moi marcher sur la terre de ma guérison. Fais-moi marcher sur la terre de ma liberté, la liberté que j'ai acquis en Christ. Fais-moi marcher sur la terre de mes grâces. Fais-moi marcher sur la terre de mes faveurs dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi ce soir. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, fais-moi marcher sur la terre de mes percées. Fais-moi marcher sur la terre de mes bénédictions. Fais-moi marcher sur la terre de mes faveurs. Fais-moi marcher sur la terre de mes grâces ce soir dans le nom de Jésus.
Oh Saint-Esprit, oui, à cause de l'alliance que je suis en train de dresser, à cause de l'autel que j'ai dressé, fais-moi marcher, fais-moi marcher, fais-moi marcher sur la terre de mes percées, fais-moi marcher sur la terre de mes percées, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, fais-moi marcher. Bien-aimé, possède la terre de ta bénédiction, possède la terre de ton héritage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant chasser les voleurs de destinée. Tu vas maintenant chasser ceux qui volent les destinées, ceux qui volent les destinées de tes enfants, ceux qui veulent voler, ceux qui ont volé peut-être quelque chose en toi. Tu vas les chasser maintenant parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Le Seigneur Jésus t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur Jésus t'a donné l'autorité. Alléluia. Tu vas prier avec moi et tu vas dire ce soir, alléluia, voleur de destinée, libérez-moi au nom de Jésus. Voleur de destinée, vous voleur de destinée, libérez-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Libérez ma vie par le feu au nom puissant de Jésus. Voleur de destinée, libérez la vie de mes enfants par le feu au nom de Jésus. Bien-aimé, que les voleurs de destinée ne volent pas la destinée de tes enfants. Qu'ils ne volent pas la destinée de tes enfants. Non, 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 non. Toi, tu es éveillé. Qu'ils ne volent pas la destinée de tes enfants. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Voleurs de destinée, ne volez plus la destinée de mes enfants dans le nom de Jésus. Libérez ma vie, libérez ma maison dans le nom puissant de Jésus. Voleurs de destinée, voleurs d'héritage, libérez mon héritage. Voleurs d'étoiles, libérez mon étoile ce soir dans le nom de Jésus. Voleurs de destinée, libérez ma destinée, libérez ma destinée ce soir, non pas demain, ce soir, dans le nom de Jésus, libérez la destinée de ma vie, libérez ma destinée, libérez ma destinée, voleurs de destinée, vous qui avez agi en moi depuis l'enfance, libérez ma destinée ce soir, libérez ma destinée dans le nom de Jésus, je ne suis pas votre candidate, libérez ma destinée, voleurs de destinée, je ne suis pas votre candidate, je ne suis pas votre candidate, libérez ma destinée, libérez ma destinée, libérez la destinée de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus, libérez ma destinée, maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, voleur de destinée, libérez ma destinée maintenant, dans le nom puissant de Jésus, libérez la destinée de mes enfants, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, libérez la destinée de ma famille, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, voleur de destinée, libérez ma destinée, voleur de destinée, libérez ma destinée, maintenant, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libérez ma destinée, libérez ma vie, libérez mes projets, dans le nom puissant de Jésus, libérez ma famille, libérez ma santé, dans le nom de Jésus, voleur de destinée, quelle que soit votre provenance, que vous venez de la maison de mon père, que vous veniez de la maison de ma mère, libérez ma destinée, libérez ma destinée, libérez ma destinée, dans le nom de Jésus, voleur de destinée, libérez ma destinée ce soir, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, maintenant, 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 au nom de Jésus, libérez ma destinée par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libérez ma vie, libérez ma destinée, libérez mon héritage, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libérez mon étoile, au nom puissant de Jésus, libérez ma santé, au nom puissant de Jésus, libérez mes finances ce soir, au nom puissant de Jésus, libérez ma fertilité, au nom puissant de Jésus, libérez mon mariage, au nom puissant de Jésus, libérez mon travail, au nom puissant de Jésus, voleur de destinée, libérez mon travail, libérez ma vie, dans le nom de Jésus, libérez ma maison ce soir, libérez ma maison ce soir, libérez ma maison ce soir, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, libérez ma maison ce soir, libérez mon foyer ce soir, libérez ma vie ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, voleur de destinée, libérez la vie de mes enfants, ce soir au nom de Jésus, libérez la vie de mon fils aîné, libérez la vie de mon fils cadet, libérez la vie de mes enfants qui sont au milieu, au nom puissant de Jésus, voleur de destinée, j'arrache de vos mains la destinée de mes enfants, j'arrache maintenant, j'arrache maintenant, j'arrache bien-aimé, arrache de leurs mains la destinée de tes enfants, arrache bien-aimé l'intelligence de tes enfants, arrache bien-aimé la santé de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus.
Jésus. J'arrache de vos mains ce soir. J'arrache de vos mains ce soir la santé de mes enfants. J'arrache de vos mains ce soir la destinée de mes enfants. J'arrache de vos mains ce soir la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus, j'arrache maintenant la vie, alléluia, mon foyer. J'arrache de vos mains ce soir par le feu mon foyer au nom de Jésus. Je viens arracher par le feu mon ministère au nom de Jésus. Je viens arracher par le feu ma vie au nom de Jésus. Je viens arracher par le feu mon étoile au nom de Jésus. Je viens arracher par le feu ma destinée au nom de Jésus. Je viens arracher par le feu tout ce qui m'appartient au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu a envoyé les enfants d'Israël aller posséder Cana. Mais Cana était déjà habité par des géants. Cana était habité, bien-aimé, par un peuple. Et ils devaient combattre pour récupérer leur terre. Peut-être que ta terre est occupée par quelqu'un. Peut-être que ta terre est occupée par des esprits méchants. Peut-être que ta terre est occupée par une personne mal intentionnée. Peut-être que ta terre est occupée, bien-aimé, par un esprit mauvais. Alors tu vas maintenant commander à tout esprit qui occupe ta terre d'être foudroyé par le feu, de quitter ta terre, de libérer ta terre dans le nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, tout esprit des ténèbres qui occupe ma terre, qui occupe la terre de ma promesse, qui occupe la terre de ma destinée. Libérez ma terre maintenant. Libérez ma terre maintenant. Libérez ma terre maintenant. Commande à ces esprits de libérer ta terre. Tout esprit de sorcellerie qui occupe la terre de ma destinée. Je vous commande de libérer ma terre par le feu. Je vous commande de quitter ma terre maintenant par le feu dans le nom de Jésus. Je vous commande de quitter ma terre au nom puissant de Jésus. Je vous commande de quitter ma terre maintenant. Maintenant sans tarder. Maintenant sans tarder. Quittez ma terre maintenant. Libérez ma terre. Libérez la terre de ma destinée. Libérez la terre de mon héritage. Libérez la terre de ma bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit des ténèbres. Tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit venant des esprits des eaux. Qui occupe ma terre. Qui occupe ma bénédiction. Qui occupe ce qui m'appartient. Libérez ma terre ce soir. Au nom de Jésus, libérez ma terre ce soir. Au nom de Jésus, libérez ma terre ce soir. Au nom de Jésus, toi esprit des eaux qui est assis sur ma terre, qui est assis sur ma bénédiction, libère ma terre maintenant. Libère ma terre maintenant. Libère ma vie maintenant. Libère ma destinée maintenant. Dans le nom de Jésus, libérez ma terre maintenant. In the name of Jesus, libérez ma terre maintenant. Libérez ma terre maintenant. Toi esprit des eaux qui t'assois sur mon foyer, qui t'assois sur mon mariage, qui t'assois sur mon foyer et qui veut m'emmener au divorce. Libère mon foyer maintenant. Libère mon foyer maintenant. Libère ma maison maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Toi, esprit des ténèbres, qui est assis sur ma santé. Qui est assis sur ma santé. Qui a pris possession de ma santé. Libère ma santé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quitte, quitte, quitte. Sors. Sors maintenant. Sors de ma maison. Libère ma santé maintenant. Alors que je suis en train de déclarer, libère ma santé maintenant. Libère ma santé dans le nom de Jésus. Libère ma maison dans le nom de Jésus. Libère ma famille dans le nom de Jésus. Libère mes enfants dans le nom de Jésus. Libère mon église dans le nom de Jésus. Libère ma santé au nom puissant de Jésus. 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 Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur pour l'exaucement. Alors, s'il vous plaît, aimez la vidéo parce que ma connexion est en train vraiment de bouger. Ma connexion bouge, je perds vraiment beaucoup de personnes en quelques secondes. Je perds au moins 100 personnes, 50 personnes. Donc, aimez la vidéo. Si vous avez la possibilité, vous voyez que vous êtes connecté, aimez directement. Parce que ça peut vous déconnecter très vite et je ne sais pas pourquoi. Alors, aimez la vidéo déjà maintenant comme ça. Au moins, même si ça déconnecte, vous avez déjà aimé la vidéo. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le renouveau. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la terre pour chaque personne. Merci d'avoir positionné, d'avoir posé, d'avoir planté, d'avoir mis chaque personne sur sa terre promise, Seigneur. Merci. Merci car l'ennemi ne viendra plus occuper ce qui ne lui appartient pas dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Alléluia. Nous te rendons gloire ce soir. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Fortifie-nous encore. Seigneur, garde-nous fidèles à toi afin que nous puissions être là.
tout à l'heure à 4h15. Saint-Esprit, je te prie de nous fortifier. Fortifie chaque personne et que ton feu protège et préserve chaque personne. Que cette nuit soit une nuit de paix, une nuit de faveur, une nuit, Seigneur, où tu vas nous parler de révélation. Seigneur, dans le nom de Jésus, que ce qui n'est pas de toi soit foudroyé, ôté par le feu de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, que les songes de tes enfants soient bénis, que vos songes soient bénis, que vos rêves soient bénis, et que le Seigneur puisse encore vous environner de son amour, de sa grâce, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ta paix, que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons trois fois Amen, Amen. Amen, amen. Bien-aimés, merci, merci d'aimer la vidéo. Je répète encore, merci d'aimer la vidéo, car c'est très important. Ça permet à une personne de voir la vidéo, ça permet à une personne de tomber sur la vidéo. Alors, n'oublions pas notre alliance, notre programme, notre offrande spéciale par rapport aux 50 jours, 50 nuits plutôt. Nous arrivons déjà vers la fin. Faites l'alliance de 50. L'alliance de 50, c'est tout simplement donner une offrande avec le chiffre 50. 50, 150, 250, 350, tout ce que vous voulez. Ça peut être 20,50€, 10,50€, 15,50€, en tout cas, mais avec le chiffre 50. Alléluia. Afin que nous puissions rappeler à Dieu ces moments que nous avons passés devant lui. Afin de dresser un autel qui va rappeler à Dieu que tu as été au pied de son trône, que tu as cherché sa face pendant 50 jours, alors 50 nuits plutôt. Alors il est important de rappeler dans notre offrande le chiffre 50. C'est symbolique, c'est spirituel, c'est prophétique. Il faut le faire comme ça. Alléluia. Tu rappelles à Dieu le chiffre 50. Tu rappelles à Dieu les 50 nuits. Tu rappelles à Dieu que tu as cherché sa face. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, si c'est pour vous la première fois d'être connecté sous la tour de prière Semeur, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications afin que vous puissiez ne plus rater les programmes de la tour de prière Semeur. Que le Seigneur vous bénisse. Demain à 18h, nous avons notre culte de prière et enseignement à Corbeil-Essonne. Donc demain de 18h à 20h, vous pouvez venir. Comme ça, nous allons prier ensemble en présentiel. Soyez bénis. Et le dimanche, nous avons deux cultes de célébration. Le premier culte, c'est de 11h à 13h30. Et le deuxième culte, de 13h30 à 15h30, au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte Paris, 91100, Corbeil-Essonne. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà, ma connexion vraiment est en train de bouger. Ma connexion est en train... Je pense que ça va vraiment couper bientôt. Voilà, nous allons terminer là. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et que chacun de vous soyez vraiment bénis, 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 bénis. Voilà, Rachel Ebo, sois bénie ma fille, c'est très bien. Tu tiens, que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Et c'est vrai que le corps vraiment est en train de parler maintenant. Le corps commence à réclamer un repos, mais nous sommes presque à la fin, alors nous ne lâchons pas. Voilà, je vais devoir vous laisser parce que la connexion vraiment ne passe plus. Soyez bénis et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Pour le PayPal de l'église, le PayPal de la tour de prière Semeur est là devant vous. m.deprière@gmail.com. Soyez bénis, soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Je vous aime et vraiment... ma prière est que le Seigneur vous fasse du bien et il va le faire parce qu'il est fidèle. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Donc, à très bientôt, à tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. De ma vie.
que de ma vie, Seigneur, nous te louons. Tu es le Dieu de mon cœur, tu es le Dieu de mon cœur, tu es le Dieu de mon cœur. Reçois la louange, tu es le Dieu.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De tout péché. Ah oui, de tout péché. Nous sommes justifiés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.